De Red Boy, j'ai le colonel sur le dos. Bah si, on bouge pas un ouest, attends. Ok. Je me cache avec vous, je te suis, Sigan. Avec toi, Sigan, mais ça chie là. Oh là là. Putain. Merde. Sigan est au sol. Putain, ils sont à bout portant, les mecs. Bonsoir, c'est Ragboy et on se retrouve ce soir avec la vision numéro 5 du DLC Prairie Fire. Et ceux qui sont sur Twitch l'ont déjà vu. Hein, ils l'ont déjà vu, c'était l'enfer avec les tonnerres. Et cette fois-ci, je suis avec les graisses de canard et consorts. On est tous là, on est 7 ce soir. Et ouais, je vais un peu leur raconter comment ça s'est passé parce que c'est assez compliqué cette mission, pas forcément évidente. Cette mission. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner aux différents réseaux sociaux, bien sûr à mettre un pouce en l'air, un vous abonner, c'est gratuit sur Twitch et sur YouTube. Voilà, j'ai tout dit. Si vous me supportez, supportez-moi. Allez, non, on passe pas par le bar, les mecs. Ce sera pour plus tard. Ah ouais, non. Hein. Tu veux. Ah ouais, Sigan, il veut partir chargé. Ragboy silencieux et démolisseur. Par contre, s'il gagne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait de la place pour mettre le dispositif qui est là, hein, d'enregistrement. Ah, il est gros ? Bah, regarde, c'est un magnéto. Non, non, il est pas énorme. Voilà, donc cette fois-ci, voilà, votre interprète son écoutera les communications durant l'enregistrement. N'oubliez pas d'annoncer le nom de code une fois le dispositif branché. Donc, je trouvais que cette mission est très compliquée. Là, on va la refaire et je suis content qu'on puisse la refaire. Mais non, justement. Il n'y a rien de marqué. Donc, voilà, moi, je trouve que cette mission est vraiment, vraiment compliquée. Après, on va la refaire différemment avec les canards. Cette fois-ci, on a... Je peux savoir ce qu'il fait piloter avec son manche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu comment il l'agite là? Non, j'avais ma carte ouverte pour me renseigner sur la zone. Ouais. La route de Banli. Démerdez-vous. Bon, on ira voir là-bas à mon avis. On va se poser. C'est vraiment vraiment très serré ici. Banli.
Ouais, c'est ça. On sort. Allez, on sort. Ah, il y a un Yabo qui s'endormit dans l'appareil. Ok. Ah, détecteur de mine, on va le brancher. Ok. Pour tous, on va se diriger nord-nord-est et rentrer dans la forêt. Ouais, il l'a pas trouvé. Avec toi, t'as. Super, ils sont fait repérer. Un cadavre ici. Ouais. Dans Rag Boy, on a un cadavre de Viet Minh. Regarde sur ta. C'est l'autre droite. On a des problèmes radio, hein. Franchement, on vous entend pas. Hein. Putain, c'est qui est mort là? On cache le corps. Ouais, cacher le corps. Ok, on reprend la progression. Okay. Essayez de prendre un cap vraiment nord-est. Nord-est, ok. Mais il faut sortir du. Ah oui, c'est quoi? Ouais, c'est vrai. Vas-y, ouais. En fait, Sigan, faut vraiment essayer de sortir. C'est un canyon devant nous, donc faut qu'on passe par le haut. Hein. Ok. Bah, tant qu'on reprend plus ou moins ça sur Mamax, après, c'est bon quoi. On attend juste le ping qui va cacher les corps. Ok, pas de problème, on cache les corps. Voilà, donc le jeu. Ouais. Ouais, je pense. Le jeu nous signale qu'on a localisé donc les fils téléphoniques qui sont bien ici. Il faut les suivre pour trouver un endroit où poser. On traverse la route et on se jette dans les prochains bons. Atos, on se met sur la gauche des bambous, on reste pas en visuel de la route, on continue d'avancer dans la même direction, donc non. Ça marche. C'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, ce rocher me plaît bien avec ce tronc là. On pourrait y poser le dispositif. Tu te sens de monter sur le tronc? Ah bah apparemment. Tu peux le mettre ici, c'est génial. Ouais. Parfait, on se casse. Columbia Hillsborough, receiving you 3x5. Roger. Pattern gold acknowledged. On va remonter sur les rochers qui se trouvent à notre nord. Ok, c'est pris. Sal dug a small hole for the grounder turn and take the cable and mud. Now he'll monitor the camo and dub any important notes directed to tape. Let's hope the passing troops don't notice it. Heads down. This trail sure is busy today.
It will once spots the cable, zap him with your suppressor, and hide the body in blood fast. On a nos ordres. Ok. Ouais. Ok, ouais. Deux contacts sur route. On redescend, le reste vous couvrez d'ici. Deux contacts sur route F. Dispositif qu'on a mis en place en fait. Je viens de transmettre l'info. Nous. Ok. Ah, Guinemo, on redescend. Ouais, on redescend. Attention, deux contacts sur route Est. Ok, vu. Ils ont pas l'air hostiles. Ah merde, putain. Couche-toi Nemo, couche-toi. Putain, il y a du monde à droite. Juste trois angles de tir sur le dispositif. Pour l'instant, tout le monde marche à sa position, on reste discret le plus longtemps possible. Du contact proche de nous. Oh la vache, une patrouille. Y'a un mec en vélo. Ken et Morak, on va sur la route, on traite le mec du dessus si on le voit et on cache les coups. Ok, c'est pris. Putain, y'en a après moi ce... Ah là-bas. T'en occupes ? Je peux pas aller cacher le dernier là, et on se fait allumer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Sigan, tu fais quoi ? Ok, c'est bon, on retourne se planquer. C'est bon, faut se casser, hein. On retraverse, mais on reste plus près que ça. Non, pas trop près non plus, t'as vu la distance où ils étaient? Peut-être pas trop près non plus. Là, c'est bien, ouais. Là où on est, ça va reprendre. Comment ça se passe? C'est calme. Voilà, là on est bien planqué là. Le dispositif est juste derrière l'arbre. De ce que je vois, il y a encore deux corps au nord de notre
position à cacher. Ah ouais, 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 bien joué, faut qu'on y aille. Je cachais les corps. Va falloir les traiter, hein. Je prends celui de droite, prends à gauche. Je vais cacher les corps. Faites là, pourquoi vous allez sur la route? Il y a un corps qui est pas caché apparemment, mais je vois. Ok, on se replanque. Ça annule le truc, donc on essaye de pas tirer. Je suis pas sûr que ça annule le truc réellement. C'est temporaire, de cacher les corps. Ouais, c'est ça, en fait, ça. Il y a un décompte, il y a un minuteur, et dès que les corps sont visibles, ça annule le minuteur. Ah, Savage Game Design a adoré mon tweet, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai que eux aussi nous font. Ils nous régalent hein, quand même. Sur ma droite. Putain, on en a un sur la droite. Encore une patrouille. Écho vocal sur le nord. Ça arrive peut-être par là, faites attention. Bon, copie, si jamais sur la route, je prends le second. Confirme. Ben, je prends le dernier. Route. On y va? Mais il y en avait au nord, elle vient de s'enfuir dans les bambous. Je confirme. Ok, on va cacher les cadavres. Vous avez un cadavre au nord, le long des rochers, côté ouest. C'est bon, je l'ai trouvé. On retrouve la position.
just got in really quick. Come. Putain, ils ont rien vu. Voilà, du pot. Ça fait deux patrouilles. Positif. Bon, copie, on cache les corps, on se casse. On rejoint le truc. Ok, c'est bon. On est parti. Putain. Ça fait toute la différence hein, d'avoir les silencieux. Franchement, c'est incroyable. Ouais, ça fait vraiment la différence hein, s'il gagne les silencieux. On aurait pu leur laisser des petits cadeaux sur la route. Ouais. Et les gars. Merci d'avoir patienté. Voilà. Une forêt de bambou, ça vous rappelle pas quelque chose? Oh, sans blague. Ouais, j'en ai bien peur, les mecs. Venez au centre, il y a un creux. Copy. Columbia. Team at Ron site. Over. Je serais vous, je me coucherai. C'est toujours plus utile pour dormir. Exact. T'as pas envie de t'occuper de placer les clés morts, Rackboy? Pas besoin, là, franchement. Moi, je serais toi, je ferais profil bas. La dernière fois, ça ne vous avait pas été... Ça avait été très dur. On est là? Justement. Il conseille de qu'on place des clés morts avant de dormir. There was chatter about a Chungtha nearby. That's a light colonel. Might be worth seeing if you can grab him if his camp is not too well guarded. Maybe check it out at first light. On va faire tout noir. Ta gueule. Ta Sinon ils ont d'autres ressorts scénaristiques, c'est merde ou quoi? Time to check in with Moonbeam. Moonbeam, this is Spike Team Columbia. How copy? Over. Columbia, this is Moonbeam. Good copy. We're on station. Weather is turning patchy. Stay safe and beam out. Bouge les gars, quoi. Non, non, reste couché. Ils sont où?
này sẽ trả nợ cho những tội lỗi nó phạm lên đất nước của mình. Đừng quên đi sao mình ở đây. Người gác có báo cáo gì mới không? C'est autour de nous. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de viettes dans ce putain de pays. Je pense que c'est bon, ils sont passés sans nous voir. Ah purée, il manquait plus que l'orage. Ah. Manquait plus que la flotte. Ok, time to wake everyone up and break squelch with Cubby. Gotta be up there somewhere. Ok. Ok. À tout son groupe, on va partir sur notre nord-ouest. Je l'avais pas cette mission. Columbia, Cubby 6. Cubby 6 calling HQ Columbia. How do you read? Over. Cubby, this is Spike Team Columbia. Good morning. All good here. We're on the move. We'll need you soon. Over. Columbia, Cubby. Roger. Weather's patchy. We have a fair bit of air scheduled to be here when needed. Over. Ok, les bons Redway ? Ouais. Oui. Nord-ouest ? Nord-ouest ? Ok, allez. Nord-ouest. Ouais. On part sur Fogham. Palace. Ouais, c'est parti. Bah, je la connais pas, cette partie-là, par contre. Ah, bah, écoute, suite, ça, c'est génial, ça. Les missions tiroirs comme ça, j'adore. Ce qui est finalement bien dans ces scénarios coop, je trouve, c'est que toutes ces missions sont séparées. On suit pas une équipe, ça raconte pas une histoire, mais chaque mission raconte une histoire en elle-même. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Finalement, on s'attache quand même à nos bonhommes, hein, parce que même si on en joue différents, avec différents rôles, y a Elsie, hein, qui revient toujours, mais je trouve qu'elles sont... elles sont pas liées, on suit des missions. Et la mission en elle-même nous raconte une histoire, et après, dès qu'on rentre au camp, voilà. On va pas suivre une guerre, on va pas suivre... c'est pas Viet Cong 1 ou 2. Enfin, 2. Mais franchement c'est bien. Là on est 7, on pourrait être 14, mais ce qui est sûr c'est qu'il faudrait plus de silencieux quoi. Je crois qu'on a un bon visuel là. Oh putain, ils sont en panique. Non ? Non, ça va. On est trop bas. Ouais, ouais, il faut monter sur un promontoire. Ok, on passe au FF. Ok, vas-y, Nemo, cherche un promontoire. Au nord du village. Ah, là, c'est bon. Ah, tous on se met en position et on spot, on voit ce qu'il y a. Okay, c'est... Oh shit! Oh! Putain, c'est moi, ils m'ont vu, c'est pas possible. Ah, j'ai mal! Ah, aide-moi! Aïe. Je vais retourner à Saigon. Ah! Quelle fois la décision a été prise, non? Ah! Ah!
Merde, j'ai un copain qui est blessé là. Ah, putain, t'es dans les fourrés, comment t'as fait ton compte? J'en ai prévu. Deux mecs au tas derrière toi. Ok, attendez, bouge pas mec. Je viens t'aider. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Stay awake, man. Talk to me, okay? Ok, je vais remonter pour le stabiliser. L'endroit du camp est du contact. On a deux blessés à l'arrière là. Ok, je dois recoudre une artère, sinon... Allez, ça devrait aller mieux là. Ok, il y en a encore un là. T'es blessé toi. Découvrez-moi là. Ok, faut qu'on rentre dans le camp là. Ah, c'est pas vrai, j'ai dit on avance. J'espère que c'est une fumigène ça. C'est pas du phosphore. De toute façon, je le saurai bien assez vite. Je répète à tout le monde que nous sommes à la recherche d'un colonel qu'il ne faut pas. Qu'il ne faut pas quoi? Tuer. Merde. On a perdu Sigan. Que j'essaie de sortir par l'arrière de... Bon voilà. Ok, on a un mec au tas devant nous là. Il y a du lourd à l'intérieur du hangar. Ok, bouge pas mec, on arrive. Je suis. Attention. Ok, j'avance. Ok. Vous en occupez ? Je suis juste devant vous. Ouais, ouais, ah, ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, ah putain, dans la forêt ! Ah, je t'ai ragué. Ah putain. Tue-le avant de me secourir. Occupe-toi-en. Merci, ah oh, merci. Ah putain, c'est ça qui m'a découpé. Ouais, ouais. Travers le mur, c'est ouais. Non, c'est derrière, là-bas, non. Ça m'a l'air d'être bon, ça. Faut continuer à progresser. À tous, il faut continuer à progresser vers le camp principal et trouver le club. Ouais, le gros bâtiment, j'ai l'impression. Un coup de soin. Pas passé. Faire gaffe, ouais, y a des bunkers qui nous font chier là. Ok, je décale. Ok, vas-y. Contact. En bas. Ok, toujours au-dessus de toi, Derek. Ouais. J'avance. Ok, on avance. Ok, il doit être à l'intérieur. À tous, on doit capturer l'officier. Ok, faut le capturer. Quelqu'un a vu l'officier ou pas? Non, négatif. Ouais, ça s'affole sur le droite, ça s'affole de gauche. Checkez votre tir, checkez votre tir. Bâtiment clair. Ok, faites gaffe. Là, faut vraiment pas tirer. Hein. Ok, je rentre. Dark Boy aussi, bah tout le monde parce que c'est chaud à l'extérieur. Ok, j'ai un centre de com ici, il y a peut-être des choses à récupérer. Dark Boy, j'ai un. Il n'y a aucune mine de détecteur en tout cas.
Non, vas-y. C'est rien. RAS. Ok, vas-y, c'est de l'anémo. RAS. RAS, ok. Allez, à l'étage. Et là, c'est le toit. Il n'y a pas de matériel à récupérer ? Calibre fixe. Non, ça s'énerve à l'extérieur, mais c'est tout. Putain, il est où ce con ? S'il n'y a pas de documents récupérés, après on se casse. D'intérieur, j'ai fouillé le premier étage, Hermès. J'ai fait ici, je vois rien. Ah, défendre. Ok, ramène l'office dans le bâtiment principal, que tu montes ce barricade à l'intérieur. On va se prendre. Hold up, le break cover can work as magic. The team's in real trouble here. Oui, mais non. Covey! Columbia! Prairie fire, need extraction, need tech air, over. Dans les boys, j'ai trouvé les infos. Petit carnet rouge. Moi, sûr, ouais, tu ramasses tout le monde. C'est bon, c'est bon, okay, je le pose à l'étage, pas d'amis, les gars. Contact, c'est arrive sud. Ok, là, on va avoir besoin de toi, les gars. Pas droite. Columbia! They're all around us! Hit me rockets to the trees to our November and Echo! I say again, November and Echo! Putain, ça chie! Qu'est-ce que vous voyez là? Putain, il y en avait dans le camp là. Un sac. Le médecin pour Nemo, je mets bien un petit soin au premier étage, au milieu, au central. J'ai du contact à l'est, mais impossible de le voir. Merde, on a perdu Hunter. Mais je vois rien ou quoi? Ok, les mecs sont tous là. Ouf! Ah boy, il y a masse de monde à l'est, là où est d'ailleurs le colonel. J'espère qu'elle va bien passer celle-là. Oh putain, qui c'est qui me gêne? Ah c'est juste un banc. Purée.
Wesh. Toi, tu bouges pas. Il y a du contact à l'intérieur. À l'intérieur du bâtiment ? À l'intérieur du bâtiment ? Traité bâtiment. Ok, c'est bon, ça sert à rien, c'est traité. Ok, je retourne avec le colonel. Toi, tu bouges pas, hein. Tu vas m'apprendre la cuisine vietnamienne, moi je te le dis. Hein? Copy. Columbia. Sorry, there was too much ordnance going on. Good copy. Moving Sierra. Out. That's on their way. Come to get the best LP. Good pairs fast. Sounds like a full damn regiment on its way. All over me. The right boy, j'ai le colonel sur le dos. Copie à tous, on va faire une sortie par sud-ouest, sortie par plutôt sud-ouest, et on va sur la. Rendez-vous rez-de-chaussée pour le. Sur sud-ouest, on va y sud-ouest. Copy, Charlie 5. What else do you need? We have nails and HE. Non, non, on peut pas sortir par là. Allez là, fouf. Continue à arroser ses armes. Fumigène citron. Faut qu'on aille jusqu'à la prairie, la plaine des jarres. Ah non, putain, je rentre alors. Reçu, on bouge pas un ouest, Ok. Ok, je suis avec vous, je te suis, Sigan. Je suis avec toi, Sigan, mais ça chie là. Oh là là. Putain. Merde. Oh, Sigan est au sol. Oh. Putain, ils sont à bout portant, les mecs. Gauche. Attendez, j'ai un peu mal. Il est où le. Putain, il est où? Putain, mais je l'avais sur moi. Colonel mort. Mais non. Putain, mais non. Ah oui, je me suis pris une balle. C'est pour ça. Ah oh, putain. Ouais, ouais. Je te dégage de là. Ah. Et ta boucherie, on n'arrive pas à les avoir. Bon, tous ceux qui m'entendent, je vais sauver la course. Je suis parti plein de est-ce que vous pourrez revenir. Ils sont sur nos cadavres, quoi. On peut rien faire. Oh la vache, regardez ça, ils sont tous là. Ils sont trois. Voilà, on a réussi à s'extraire grâce à Sigan qui a foncé et on va essayer de rejoindre la plaine des jarres
C'était magnifique d'ailleurs, apparemment. On m'a envoyé des cartes postales. Ah, toute cette violence. What the fuck? What is this place? Take cover and hold out till the extraction birds get here. I'll tack air on that tree line. Attention, sniper dans les arbres. Négatif, j'ai dans les blocs de béton. Ouais, c'est des jarres en pierre. Un traité. Oh merde, putain, ils embrassent le sol. Attention, okay. Attention. Bonsoir, Vladoug. C'était pas sur la gauche de la route, devant nous, sud-est. Ouais, ouais, c'est bien le nouveau DLC, ouais, tout à fait. Allez, cette fois-ci, on est là. Va falloir survivre ici. Putain, on doit attendre au milieu de ce foutoir. Attends. Je te couvre. Oh, il a volé. Oh la vache. Gilles, il faut que tu me fasses un clip là, s'il te plaît. Absolument, fais-moi un clip. Tu me le balances sur Discord, mais tu me fais un clip de ça là. S'il te plaît. Je pense qu'il faut continuer à avancer. Tu crois? Ouais. Au reach la LZ. Ok. Ouais, je crois qu'il y a un souhait. Il doit être là tout droit, non? Ouais. Bon, tout ça, c'est pas ça, c'est tout là. Sud-ouest. C'est sud-ouest. Je dis où j'ai posé ma dernière mine. Ça tombe bien, j'en ai plein alors. Mais je vais les garder une fois qu'on saura où est la LZ. Voilà, on l'a trouvé. Ok, bah je pose des mines alors. J'ai plus de balles. Dark Boy, je fais un arc de cercle autour de vous. Attention, hein, je pose des mines. Il y en a un là en face de moi. Attention, je pose une mine. Arrive-moi, je pose une mine. Attention, j'ai posé une mine. Mine posée. Je leur fais un bon périmètre défensif. Hein.
Pareil, boy, vous avez quelqu'un à votre est, c'est un ennemi, je sais pas si vous l'avez tué, tout près. Il y en a deux, hein. Oh putain. Ce final. Bah, je me bats avec un putain de machine à clous quoi. C'est une agrafe. Mais gros, mais j'ai l'impression d'être un mec qui court. Je t'ai dit la dernière fois que l'arme silencieuse, bon, c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes dans un canard. Tu sais pas ce qu'ils ont foutu, mais le 19 fond c'est plus efficace à 50 mètres quoi. Oui. Ah ouais, on a raté le lieutenant. Ouais, j'ai raté le lieutenant, ah, quand chaque mission, chaque fois qu'il y a un mec à transporter, il meurt, donc bon. Ouais, c'est vraiment... Bah, attends, ils sont exposés, quoi. En même temps. Bah, en même temps, c'est pas possible de ne pas mourir, donc... Ouais, en fait, il s'est pris une balle à ma place, quoi. Comme avec le pilote. Bah, oui, c'est ça, enfin, c'est-à-dire, chaque fois, c'est la même chose. Regarde le conducteur de camion, c'était la même chose, il s'est pris une balle perdue, le mec. Ah, avec moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, il prend une balle à ta place. Ah, je transportais pas le pilote la dernière fois. Désolé. Non, c'était pas Nemo, ouais. Voilà, non, après, c'était moi avec le truc de camion. Mais je l'ai même pas transporté, je me rapproche souvent de lui. Et le mec a dû tirer sur son pote. Voilà. Bonne fois, on pouvait remettre ça sur la faute de Rackboy, si il y a un enfant. Ah bah oui, c'est toujours de la faute de Rackboy. Toujours Rackboy. Toujours. Attends, il y a une montagne devant. Tiens, Rackboy, tu stream là? Oui. Ok, d'accord, on va rien dire alors. Je vais dire c'est ta faute pour quelque chose, bon... Ah non, ça non, le point... c'est quoi, c'est le point? Ah bref, on va pas l'aborder. Ah non, pas le point Godwin, hein. Non, pas du tout, rien à voir. Voilà. C'était plus un point communautaire. Ah. C'est ce que je veux dire, clin d'œil. Ah oui, bah, ça me dit quelque chose. Il s'en sera jamais, Sigan. Comme dirait les jeunes, bisous et bichetons. Voilà, bah j'espère que cette mission vous aura plu. On va se retrouver bien sûr au bar pour le final. En tout cas, moi, elle m'a vraiment, vraiment plu. Surtout, je l'ai joué deux fois. Et là, cette fois, elle est vraiment encore plus fun. Je trouve, elle est vraiment... Faut pas mettre la difficulté trop fort parce que les missions sont assez particulières et ils ont fait un dosage très particulier déjà dans le jeu, le Savage Game Design. Et je leur remercie d'ailleurs pour ça. Ils sont vraiment au top. Et voilà, retour au camp, les amis. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à réussir la mission, qui est assez compliquée. D'ailleurs, on l'a pas réussi totalement, mais je pense qu'en s'échappant avec le lieutenant-colonel, ça aura été tout bon. Allez, Mais voilà. Allez, au Recon Club. Ah, on peut prendre une douche quand même. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à me suivre, à me laisser un commentaire, évidemment ça me fait plaisir, je les lis tous et j'y réponds s'il y a une question, évidemment. Voilà, en tout cas c'était vraiment, vraiment super, il en reste encore une, j'espère qu'on va la faire très très bientôt, d'ailleurs je pense qu'on la fera bientôt, on la fera évidemment en live et puis après rediffuser sur YouTube. Allez, on boit un coup? C'est moi qui régale. Allez. Nu ou pas? Ah ouais. Ah ouais, non. Mais à l'intérieur, ça ira mieux. Sur la gauche, là. Bon. Attendez, c'est moi qui sers. Non, mais hé, les gars, j'ai pris de quoi fumer.
Ah bah ça fume déjà derrière. On peut s'asseoir sur la chaise. Hein. Ah ouais. Non, on peut pas s'asseoir, c'est pas Ace. Non mais tu comprends, en fait, ça fait tellement longtemps que le jeu est sorti qu'ils ont pas pensé à intégrer les scripts pour s'asseoir sur des chaises en fait. Eh non, allez. Et attends, Sigan, c'est ma tournée. Merci. Bon, mais ils sont réussis quand même, non? T'avais un petit bobo, je me... Tu veux un bisou magique? Et voilà le récap. Allez, bonne soirée.